Et bien salut tout le monde, c'est Gleska et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Resident Evil 8 Village. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va devoir descendre, c'est ça? Ouais. Pas de coupage de bras, cool. On va recharger. En tout cas, je referai peut-être le jeu en stream avec quand il y aura les modes munitions infinies et tout pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être marrant. Les lucettes. Ouh là là. Une mine. Et on voit rien. Du poisson. Encore un truc fermé. Donc forcément, il faut aller par là. Même pas une petite mine, rien. Pas sympa le jeu là. Ok. C'est juste pour passer d'un point A à un point B, c'est ça? Allez. Permet de prendre ça. Attends. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère? C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman veut récupérer son bébé. Ne fous pas de ma gueule. Attends, je t'en supplie. Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi. Mais si jamais, je fais mieux qu'eux. J'en ai rien à foutre. Attends, encore un petit peu. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile! Tu parles trop. C'est terminé. Tu es pris au piège. Qu'est-ce que tu dis? Ici, c'est mon territoire. Et jamais je te laisserai partir. Oh merde! Putain de taré! Non, papa! Ah, vite! Le calme du voleur! Je ne te laisserai pas la voir! Bon. Ah, comment je sors d'ici? C'est tout? Bon. Moi j'ai eu des mines, c'est déjà pas mal. On ne va pas s'en plaindre. Pourquoi il y avait une casserole sur cette tombe? Oh merde. Non. Et c'est la clé dans le bateau, au cabane de la mine. Ok. Laisse-moi deviner si... Ah, je peux pas aller dans l'eau. Il doit bien avoir moyen de... C'était quoi qu'il avait marqué sur le message?
Dans la cabane au fond de la mine, un de ces morts, je crois qu'il vaut mieux qu'on a... Oh, au fond de la mine, putain. Non, il faut retourner dans la mine. Bordel. Comment on va faire ce miracle du coup? Une cabane au fond de la mine. Y'a pas moyen de sauter? Ah. Il doit y avoir moyen de casser ça. Pourquoi est-ce que je me fais chier? S'il vous plaît, par contre, pas d'ennemis dans les eaux, tout ça. C'est quoi ce bruit de ces morts là? Bah ouais. Hein. Moi, de passer en mode discret. Genre, pas du tout. Je crois qu'ils m'ont vu, je suis pas sûr. Je fais quoi? Je tente un sprint? Oh, tu viens manger, mec, c'est bien. Non, mais je m'en fous de vos lives là. Bonjour! T'es un petit peu trop nombreux là. Et en plus il y avait un espèce d'ennemi élite, donc on va peut-être éviter de l'affronter. Tant pis pour les thunes. Hein. Et on a oublié. Ils sont pas en train de me suivre, j'espère. J'entends quand même des sacrés bruits relous là. Je peux pas y accéder? Apparemment non. Bon, tant pis. Dégueu! C'est un lac artificiel ça? On dirait qu'il y a le sida partout sur ce lac. Oh non, non, non! C'était quoi? C'était un monde de Resident Evil 4! Je peux monter par là ou je peux aller là-dedans. C'est quoi tout ça? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. T'as tué Mia. Alors bique-moi, finis le boulot!
Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? Tu sais ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein? Hé! Vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Mais en dehors de quoi? Attention! Miranda, t'en veux pour me ralentir? Tu fais pitié. Dis pas ça! C'est pas juste. Je devrais être avec elle, pas toi. Mais de quoi tu parles? Putain, mais c'est quoi ton problème? Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Bon sang. Pourquoi? Pourquoi? On décale. Vite, 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 on décale, on décale, on décale, on décale, on décale, vite, 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 vite. Allez, monte, Ethan, putain. Bon. On est safe. Ne dites pas qu'on va déjà affronter le boss. Et quoi là-haut? Gatehouse. Il a dit que la sortie était sous l'eau. Oh! Salut! Allez-y, n'hésitez pas à jeter un œil. Il est tombé au moment où il a dit ça. Allez-y, n'hésitez pas. C'est un investissement, Ethan. Je doute bien que c'est un investissement, mais c'est un investissement qui commence vraiment à me coûter cher. Attendez, ils vendent plus de munitions de shotgun. Ah. Oh merde. Je pensais que c'était imité, moi, les trucs qu'ils faisaient. Un instant, je vous prie. Je vous souhaite de faire... Ouais, non, non, ex, mauvaise save. Bonne route. Si j'arrive à vider cette eau... Merde, y a pas de courant. Ah bah oui, y a pas de courant, bien sûr. Mais attendez, du coup. Parce que on est monté, ça va être l'endroit où est-ce que justement tout va se passer. Si on retournait en arrière pour voir. Ah! D'accord. Je ne peux pas, en fait. Je suis obligé d'aller là-dedans. Actionner les moulins avant, tirer à manivelle. Ok. Ah! Il faut actionner les moulins avant, c'est ça? Est-ce qu'on va avoir des ennemis sur le chemin du coup? Qui a rigolé? Laissez-moi deviner, on va aller où? Cette manivelle est dans un sale état. Quelle manivelle?
Des poulets. Tu ne peux pas échapper à mon couteau. Elle est où sa foutue manivelle là? Ici, peut-être en haut ou en bas. Oh merde. Ah non, ça va, je peux remonter. J'ai eu peur. Je me suis dit, merde, si je peux pas remonter, je vais avoir l'air con. Assurément, il peut pas sortir de l'eau et me venir me bouffer, hein. Quel bâtard! Ouais, j'ai loupé quoi? Pourquoi ça pète pas? Il y a un endroit que j'ai zappé. Oh non. Allez, vas-y, viens ici. Allez, viens ma grosse. Voilà, allez. C'est quelle partie qui le maintient à flot? Je comprends pas là. C'est une connerie, il faut lui donner un petit coup pour le faire tomber, je rigole. Quoi? Putain mais... C'est pas possible! Qui m'a donné une astuce quand même. Ce qui est marrant, c'est regardez, regardez ça, il pourrait limite me flinguer instant là, mais trop sympa ce boss. Ouais, d'accord, qu'il est quand même un petit peu con-con, hein. Il pourrait me tuer comme il veut là, il le fait pas. Je prendrai pas la manivelle. Bordel. Oh, oh ça chlingue. Ouais, je me doute que ça chlingue là. Mets ta main dedans, bordel. Thank you.
Pourquoi c'est bleu? Ah putain, c'est que temporaire. Oh là là, c'est quoi ce... Mission de Magnum? En vrai, je sais même pas ce que fait la moitié des trucs ici, quoi. Genre ça, là, ça fait quoi? Oh, bordel. On va devoir taper un de ces sprints. Elle a l'air de tenir. Là. Est-ce qu'il va venir ici? C'est pas trop là. Je sais pas où il est, ça me saoule. Putain, il m'a fait peur. Oh. T'es pas sérieux le jeu, tu vas me demander de traverser ça? Combien de temps qu'ils reviennent? C'est scripté, je crois. Je suis le Seigneur! Oh merde! C'est quoi ce combat? Oh, d'accord, c'est même pas le combat en vrai, je parie. Là, c'est juste la phase, on se fait chier à pousser des trucs. Ok, Ketan, t'as pas des masses d'endurance pour donner des coups de couteau, hein. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Une pêche, on dirait. Un bateau. Connard, je pensais qu'il y avait du loot moi dans le bateau. Je gaspille des munes. Hey, t'es beau, on a compris, c'est bon. Ah, la manivelle. Non, l'autre côté, Ethan. Ouais, quoi que. Pas trop le choix en fait. Est-ce qu'il va péter la tour à ce rythme?
Allez, hop. Oh, bâtard. Tourniqueté, tourniqueta, vas-y fais tourner, Ethan. Ok. Ok, on a du courant. Et s'il y a un boss, on est dans la merde, parce qu'on n'a pas de mune. Ah, quoique, on a quand même de la grenade. On a de la gre-gre, donc ça va. Bon. Il est où mon rondou d'amour là, le gros? Alors déjà. Tiens, il y a pas moins de les. Non, il y a pas moins de les paquets, c'est dommage ça. Naturellement. Naturellement. C'était la cuisine. Continuez comme ça. J'ai vraiment hâte. Oh, excusez-moi un instant. Hey, fais plat. Pas du dégâts subis parce que vous protégez. Ah, c'est prêt. Tenez, mangez. Pas mauvais du tout. C'est vrai qu'on lui dit pas mauvais du tout, mais en fait c'est Ethan qui est supposé le dire. Ah, il manque du poisson. Putain, je peux acheter zéro mune quoi. Je peux même plus acheter de soin. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Vous avez l'œil pour... Ouais, on a l'œil, c'est ça. Pour la qualité. Putain, je peux rien crafter. Ça sert à rien de crafter des soins, j'en ai déjà trop là. Merci. Bon, je suppose que ça marche maintenant. Attendez. Allez, let's go. Super. Tu vas faire moins le fier sur ta flotte, hein? Du coup, c'est l'heure du duel, c'est ça? S'il te plaît, le marchand, t'as pas. T'as plus de mune pour moi? Oh non, je peux pas aller là-bas. Je sais pas comment on va faire. Hein. Déjà, on va prendre un max de trucs. Baston time. Quatre villageois sont morts ce matin. Eh ben, dis donc, il te faut plus de villageois. Oh non, ça sent la zone de combat ici. Bon, on va bien voir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rééquiper l'autre fusil à pompe parce qu'il a quand même 7 cartouches dans la gueule, donc pas négligeable. Salut! Regarde-moi!
Ethan, qu'est-ce que t'es là encore tu... What? Il m'a touché? Grosse blague. Qu'est-ce que je veux d'abord? Oh bordel! Je l'amène près du baril explosif là. On va régler un souci. Et où la mine? Wow! Ah putain! D'accord. Dès qu'il crache en l'air, faut se planquer. Oh là là, ouais, je m'y attendais pas à celle-là par contre. Ouais, mais je m'en branle. Oula. Ah, c'est là. J'espère que je suis bien mis. Eh merde, j'ai plus la mine. Où la mine, elle est où, elle est où, elle est où? Eh merde! C'est short quand même, hein.
Il a pété ou je rêve? Dégueulasse. Jusqu'au bout. Je confirme, Ethan. Il a été dégueulasse jusqu'au bout. Maintenant, la question, si vous le voulez bien, c'est qu'est-ce qu'on a loupé? C'est sérieux, là? Ah, j'allais dire, y'a rien dedans. Pas moi de monter ça. Je vais juste faire un petit tour du proprio. Elle aura bien hurlé maman. Il était peut-être fan de Queen hein. Bon bah là je vois rien de récupérable, mais bon ça va, on a géré du cul. Bah je m'attendais pas le coup de l'acide en l'air perso, je pensais que ça allait juste faire mal pendant un moment. Ouais c'est un peu plus loin, c'est une mine Ethan. Ah, du coup, il reste plus qu'à Heisenberg. Ah, bah, j'avais pas vu que j'avais eu des missions sniper. Il m'a donné le bocal de rose. Hein. En fait, j'ai presque pitié pour lui parce qu'on dirait vraiment que c'était une de la pauvre victime en fait. Ok, il voulait pas que Mère Miranda abandonne. Ah. Par le pouvoir combiné, voici l'épée Captain Planet. Oups. Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux? Où tu veux en venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Cadou. Ce truc est vivant. Je peux le péter. Eh ben non. Bon, y a pas moyen de vider le shotgun et récupérer les balles qu'il y a dedans. Un petit peu dommage ça. Bon, du coup on a la super clé of the dead maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir retourner dans les trucs et... Il
Attendez. Non, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Il y avait un super truc à aller récupérer là-bas. Est-ce que du coup l'eau est abaissée au point maximal? Effectivement. Mais il est parti où du coup le trésor? Donne-moi le trésor! Oh, nice. Pas les poissons ici? J'ai entendu des bubules là. Bon. À mon avis, on pourra pas retourner dans l'autre zone malheureusement. Je pense même que c'est très mort. Je pense pas que Ethan sautera de là pour pouvoir aller dans cette zone là-bas. Bon, bah allez, on va retourner voir le duc hein, du coup. Après, il ne restera plus qu'Heisenberg et Dame Miranda du lac. Je sais pas si c'est vraiment du lac, mais... Dame Miranda... Eh, d'ailleurs, question con. Vous croyez qu'ils sont encore là-bas, les ennemis? Ah non, ils ont tous disparu. Nice! Ah, des poissons! Je peux pas les récupérer. Ah, c'est pète-noix ça! Oh, ça ferait moins de moula, hein! Ouais, quoi ici? Là-dedans, y'avait rien? Y'avait rien. Ok, bon, on peut se casser. Un petit peu décevant là pour le coup, je pensais qu'il serait resté là. Bon allez, on décale. Hein. Enfin techniquement maintenant, on a... on a la manivelle, donc je peux ouvrir la porte du laboratoire. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On aura un petit comité d'accueil d'ailleurs ou pas? Déjà, je vois cette porte là. Quoi, cette histoire de laboratoire là? Allez, Ethan! Allez, Ethan! Allez! Oh putain, elle est super gars. Oh et merde. Oh merde, oh merde. Bon. Décale. Je vais retourner au point de sauvegarde.
Alors, tu reviens ? Eh bébête, tu reviens ? Ma foi. Bon, allez, je vais retourner sauvegarder et... on va s'arrêter là pour cet épisode. Qui aurait été chaud en mouvementage. Ça a aucun rapport, mais c'est pas grave. Allez, sur ce, loulou, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... oui, attitude. Comme d'habitude, au pocu, vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je fais plein de poutous partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti, bouti, et que l'amour du P2B soit avec vous. Peace!